Yo les Chocopops, comment ça va aujourd'hui? Balance le générique. C'est pas maintenant la pub. Ah c'est plus tard. Ouais, Chocopops, toute nouvelle vidéo aujourd'hui en compagnie de Sora. Hello, je suis au top les gars, j'ai une énergie de fou. Désolé, j'ai la voix, elle est partie gros, ma voix elle est partie zouker loin. Ouais, tu te moques là, je... Non mais il fait trop de la peine. Bon, aujourd'hui, Sora, on est là pour jouer à Yandere. Ouais, j'ai joué un peu il y a quelques années quoi. Bon, un petit peu, mais c'est comme ça moi j'étais connu. Le sceptre avec le cœur. Normalement, si je prends le sceptre, est-ce qu'il faut pas que je l'ai avant avec moi? Ah, attendez, franchement, c'est ça, c'est génial. Tout le monde m'a connu, la plupart des gens m'ont connu sur ce jeu. Ouais, j'ai joué pendant des années et des années. Et c'est grave cool en vrai de voir comment toi tu vas le découvrir. Je suis hyper curieux. Est-ce qu'on balancerait pas un peu le générique là? Mais c'est pas le générique, c'est la pub. Mais c'est la pub. Mais avant que la vidéo elle débute, est-ce qu'on balancerait pas la pub? Oui, allez, Choco, balance la pub. Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite. C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Ok, c'est parti. Est-ce que t'es loin ou tu connais l'histoire? Mais pas du tout. Moi, je dis c'est une écolière, elle est un peu bizarre. Ah ouais, bah vas-y, tu fais une new game. Ça part. Alors, qu'est-ce que là, c'est? Vas-y, peu importe, vas-y, let's go. Un emplacement de sauvegarde. Ah. Sur... ah non, ouais. vraiment à ce niveau-là, quoi. Mais je sais pas. Mais je sais c'est pas. Nani. Là, c'est le début du jeu. En fait, elle s'appelle Ayano. Ayano et lui et s'appelle Senpai. Okay. Et en fait, Ayano est amoureuse de Senpai. Secrètement c'est... ou quoi? Ouais, secrètement. Okay. C'est l'univers qui lui a dit que c'est ce mec-là et personne d'autre. Ok. Et là, tu peux le personnaliser. La mousse. C'est la moustache. C'est pas senpai. C'est senpai. Oula. Quelque chose ne va pas. En fait, en gros, ce qu'elle raconte, c'est que depuis le temps qu'elle s'en souvient, elle a toujours été genre, elle se sent vide. Comme si quelque chose manquait en elle. Ah, c'est le cœur de senpai. Ouais, attends, ça arrive. C'est un jeu d'horreur le truc ou pas? Tu me préviens avant. Hein. C'est pas un jeu d'horreur, mais bon, c'est un jeu où. Comment? Elle va fumer des gens quoi. Regarde, tu vois, un jour, elle était en cours et là. Oh, senpai. Elle tombe sur senpai. Senpai. Le senpai. Le fameux avec sa petite moustache. On va voir dans pas longtemps. 3, 2. Ah ouais, c'est vraiment. Et le voilà. Avec la moustache. C'est horrible. Ça gâche tout. Ah ouais. Et elle l'a trouvé. Et là, tu vas voir, sa ville est devenue toute en couleur. Ah c'est ouais. Bon, elle a trouvé l'homme de sa vie. Oh. Il a tout changé en elle. C'est mignon en vrai. Ah, jusque-là, c'est mignon. Sauf que quelqu'un veut lui prendre senpai. Oh. Une autre femme. Il y a une autre meuf qui est amoureuse de senpai. Ah là, elle va s'énerver là. Et là, ça va pas être possible, tu vois. Elle dit. Bah, prends les points. Elle veut l'éloigner. Et là, elle va serrer le poing. Wesh, quelle veuille. Non, mais elle est mal. Mais oui. Là, elle est pas bien. Elle est pas bien. Et en fait, elle dit je vais l'éloigner. Ouais. Non, mais les enfants, regardez pas ça. Hein. Oh, mais après, t'inquiète. Wesh. Un jeu d'horreur, hein. Je reçois un message de qui? Do I know you? Ouais, comment? En fait, il y a quelqu'un qui la contacte en mode je vais t'aider, tu vois. Elle s'appelle Osana et du coup elle a un crush envers Senpai. Mais c'est pas une raison de tuer! Oh, tu sais. Et en fait, vendredi, elle va avouer son amour à Senpai derrière l'école au pied du cerisier. Et du coup, on a jusqu'à vendredi pour la fumer. Et tu sais, on a toute la famille, on a plein de choses à faire. Non mais, j'ai l'impression que t'es un peu trop préoccupé par ces meurtres. Pas du tout. Okay. Et en fait, tu peux changer sa culotte. Quoi? Tu peux changer sa culotte? En fait, selon ses culottes, elle a des pouvoirs qui changent. Elle a des bonus. Et tu vois, t'as plein de trucs. Et en fait, tu vois, t'auras plein de pouvoirs différents. Ouais. Regarde ça là. Ça, c'est ton temple de senpai. Temple. En fait, si tu pourras dans l'histoire, tu pourras lui voler sa brosse à dents, son caleçon, son chewing-gum. Eh, mais c'est un jeu dégénéré. Tu imagines les fous. Tu mets ça et en fait, elle le regarde tous les soirs. Mais moi, je suis sûr que c'est inspiré de faits réels. Moi, je fais ça, hein. Donc, du coup, tu vois, il a. Ok, tu peux partir. Et là, on peut aller à l'école. À l'école. On est à l'école. Ok, wouhou. Là, senpai est juste ici. Oh. Avec Osana. J'avoue que là, en vrai, je vois mon crush avec une meuf qui crush ça sur. T'énerve. En vrai, ça m'énerve. Mais j'ai pas. Et là, tu peux te cacher derrière pour écouter leur conversation. Non. Cacher derrière le buisson. Comment on se cache? Tu veux les espionner. Je suis vraiment trop les espionner. Et là, en fait, en gros, elle veut qu'on se rencontre à midi sur le toit pour manger ensemble. Elle l'engueule. Pourquoi l'engueule? Elle l'engueule tout le temps parce qu'en fait, c'est genre sa façon, c'est genre. Je suis en mode. Je suis pas attaché, mais vas-y, tu vois. Ok, il y en a plein qui font ça. Ok, et là, du coup, on est bon. Il faut que tu suives Osana. Là, tu vas la suivre discrètement. J'ai envie de la tuer direct, hein, en vrai. Hein. Ok, okay écoute, on écoute, écoute. En fait, elle est en train de dire qu'elle le kiffe de fou. Elle a peur qu'il la rejette. Oh, coup, elle me fait de la peine. Oh, lui fait un câlin. Ne te fais pas comme ça, Osana. Tout va bien se passer. Mais c'est trop chou. En vrai, elles sont très mignons. Là, okay. Tu peux suivre Osana. Ok, on va suivre Osana. Oh, cours. Ok, de toute façon, on marche tellement doucement que. Bon, on a le temps de dormir là. Du coup, là, t'as tous les étudiants. Ah en fait, ouais, chaque étudiant wow. Fait partie d'un club. T'as le club de sport, t'as le club de théâtre, t'as le club. T'as un club occulte. Un club où ils font des rituels sataniques. C'est quoi ce jeu? Non, après, plusieurs... en sachant, il faut la fumer, ensuite il faut prendre son cadavre, le cacher, le foutre dans l'incinérateur de l'école, pour qu'il soit brûlé vive. Mais pourquoi
que tu connais ça par cœur, je comprends pas. Ok, Sarah, tu fais des vidéos dessus, mais c'est un peu bizarre là. Chill, chill. Non, non, elle est là. Ok, elle est allée en cours. Là, ouais, en fait, oh, elle a fait un bento. Elle a fait un bento. C'est quoi un bento? Un bento, c'est un espèce de petit repas pour Senpai. On va lui offrir ça et on va mettre de la morora dans son plat. Et qu'est-ce que c'est que de la morora? C'est du poisson. Senpai, il faut savoir qu'il a pas une vie hyper intéressante. Pourquoi alors elles sont toutes amoureuses de lui? Là, il est à la fontaine, enfin, il est à la place centrale. Il est sur la fontaine et il lit un livre. Il fait ça tous les jours. Bah, c'est un homme mystérieux. C'est un peu, voilà, c'est un peu un mec un peu brun, mystérieux, tu vois. C'est ça qui fait craquer les meufs, tu vois. Tu penses? Je pense, ouais. C'est vrai. C'est un peu comme moi, tu vois. Moi, je suis un peu mystérieux et tout. Oui, là. Mais oui. Oui, je te dis, il fait ses bails, il est là, il lit son livre depuis. Et il fait rien d'autre. Peut-être qu'on aura un indice sur le livre qu'il lit. Mais... bah, il lit pas. Fais gaffe, parce que ouais, si tu restes trop près de lui, du coup, t'es bizarre, tu glousses. Mais c'est quoi ce jeu? Elle arrive pas à se tenir à côté de lui. Dès qu'elle est à côté de lui, elle panique. Par contre, fais gaffe, si tu restes trop près de lui, tu perds. Hein. Ah ouais? Parce qu'en fait, elle passe pour une folle. Senpai, il te trouve bizarre. Et en fait, ça a rien de chance avec lui. Non, mais vas-y, faut la tuer alors. Non, j'ai pas envie d'attendre le secret et tout. Bah là, en fait, pour l'instant, tu peux pas la fumer. Parce que là attention, tu vas parler bizarre devant elle. Oh, mais punaise, mais je fais que de pas être bizarre. En fait, mais c'est elle est bizarre. Sa réputation, elle baisse en plus. Oh, mais c'est une blague. Les gens te trouvent chelou en fait. Là, rapproche-toi derrière l'arbre. Je les écoute. Ok, on va les espionner. Ah non, là, il papote. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, on va aller dehors. Je sais pas si on peut empoisonner son bento, mais on va essayer. On va essayer, ok, go. Allez hop, ok. En fait, t'as un club de jardinage à droite. Ok. Et dans le club de jardinage, t'as de la morora. Et c'est là où justement tu peux essayer d'empoisonner le bento. T'as déjà... On va essayer à droite. T'as déjà réussi à la tuer avec. Oh, je l'ai tué de 12 façons différentes. Tu sais. À gauche. Mais c'est un ouf, comment il dit. Vas-y, parle-lui. Et tu lui dis que tu veux rejoindre son club. Ok. Donc là, tu peux ouvrir la cabane. Non, mais c'est. Oh là là. Et à droite, voilà, t'as la morora. Mais le poison pour les rats, tu prends. Et là, on retourne en classe. On va la tuer. Voilà, on monte, hop, hop, hop. En vrai, tu... Ah, mais ça y est, je t'écoute bien, hein. T'es mon professeur maintenant. Hop. Ok, vas-y, ok, bien. Et à droite. Parfait. Et là, en fait, il faut pas que quelqu'un regarde, il faut qu'elle parte. Oh, son chante, cassez-vous, les filles. Que tu peux. Je peux être gênant devant elles vont partir. Non, elles vont pas partir. Essaye de leur parler pour voir. En fait, il faut que tu réalises une tâche pour elles. Là, tu deviens leur copine et tu peux leur dire dégager. Ouais, c'est trop bien en fait, c'est trop bien. On va essayer de trouver le moyen de faire ce qu'elle veut. Elle a lâché ton cutter par terre. Oh mince, mince. Non, mais pas du tout. Oh par vite, par vite, vite. Oh par. En fait, si tu te balades avec un cutter à la main, tu trouves ça un peu bizarre. Bah, c'est comme de la vie tous les jours. Voilà, on est d'accord. Donc là, il faut que tu trouves la bibliothèque. Je pense que c'est la bibliothèque. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est la bibliothèque. Ça, donc là, tu traces. Ça, c'est la bibliothèque. Librairie, ok. Ça doit être ça, vas-y, regarde, ça doit être ça. Ok. Ok, et retourne la voir. Là, tu lui parles et tu fais task. Voilà. Ok, là elle est contente. Ouais, on a réussi la mission. Là tu peux lui parler à sa pote aussi. Et on va lui donner la même chose. Ah, je pense qu'il faut que tu y retournes encore pour voir un autre livre. Sure. Voilà, nickel. Là tu y retournes. Et là du coup tu vas devenir copine avec elle. Ouais. Et tu vas pouvoir leur dire, les meufs, je vous adore. Mais cassez-vous. Eh, hey, chips. 2002 ou c'est comment là? Ouais. Okay. Ok. Donc là c'est bon, tu es copine avec elle. Ouais, grrr. C'était pas nécessaire. T'es copine, c'est tout. Ok, là tu peux leur demander une faveur. Et tu dis. Oh, attends, voilà, tu dis. Là normalement t'es tranquille, tu fermes la porte. Là y'a aucune preuve. Là tu choisis. Toi tu mets la morora dans le rose. La bouffe de Sana. Toi dans la bouffe de Senpai. Mais non, faut pas mettre dans la bouffe de Senpai. La bouffe de Senpai c'est plus intéressant. Ah, parce que si on met sur la bouffe de Senpai. C'est elle qui dégueule. Bah, en fait, si tu mets sur la bouffe de Senpai, ça veut dire que quand elle va lui filer son truc, tu vas penser que c'est elle qui a fait un truc horrible dedans. Ah en fait. Ouais, bah oui, moi j'ai pas pensé à ça. Et du coup elle passe pour un monstre. Donc là faut bien que tu mettes attends. Dans le bleu. Ok, dans le bleu. Voilà, nickel. Et là tu peux partir en cours. La la la. Là c'est bon, t'es en cours. Là c'est le truc que tu crois. La la la, je vais aller à l'école. Tu vas en classe. La la la. Et là c'est l'heure d'aller manger. Miam miam miam. Là tu vas suivre Sana. Elle prend ses bento. Oh, j'espère que ça va être drôle. Ah, oh, bah, ouais. Je pense qu'il va dégueuler. Hein. Je pense qu'il va vomir. J'ai la phobie du vomi. Tu penses c'est vraiment réaliste? Moi j'ai la phobie du vomi aussi et ça va. Sa tête elle est vraiment aigrie elle. Hein. Ouais, regarde, en plus quand tu rigoles, alors elle est vraiment horrible. Rentre dans la classe. Regarde là et rigole. Mais où elle est, ouais, j'avoue qu'elle est vraiment crazy. En fait, ok, là, tu vas sur le toit, vas-y. Et là, Senpai, il va pas te balayer là. Tu peux te mettre juste derrière le petit. Ok. Ah, j'aime beaucoup ce qui se passe, j'aime beaucoup ce qui se passe. Attends, tu peux te mettre là, je crois que c'est là. Je crois que c'est ici. Pour mieux avoir. Oh, voilà. Et là, tu espionnes. Avoir une meilleure vision. Voilà, là, non, mais t'es mal à la tête de la. Meuf. C'est la pire cachette. C'est une dinguerie, c'est n'importe quoi. Et là, elle lui offre son bento. Elle lui a fait la cuisine. It's a bento, stupid. En plus, regarde comment elle lui parle. En gros, j'avais juste trop de bouffe ce matin et je te donne les restes. C'est la pire moyen de draguer. Elle dit ta gueule et mange. Et là, il déguste avec sa petite moustache là. Mais non. Pour l'instant, il se dit bah. C'est bon. Ça paraît pas mal. Et, non mais en plus regarde là, elle est en train de la regarder comme ça, mais c'est flippant. Ouais. Et il dit, mais qu'est-ce que t'as foutu dedans? Là, il va pas bien. Ton estomac. J'ai vraiment mal au ventre, il lui dit. Et elle comprend pas. Et là, faut que tu le suives. Okay, suis le cours. Ok. Il faut que tu le suives parce que là, le pauvre, il est pas bon. Et, là, en fait, et nous, elle dit, on va dire. Mais... pourquoi tu pars? Et là, elle est en déprime. Hein. Elle est abattue. Elle pleure. Et nous, vite. Il va aux toilettes. Il va vomir dans les toilettes. En fait, il est vraiment pas bien là. Là, il est vraiment pas bien, le pauvre. Et là, il est aux chiottes. Il vomit. Et là, il est.
Là, il est vraiment stream, là, il est vraiment bien. Mais nous, on est bien. Enfin, elle, du nous, coup, on est bien. Mal. Nous, on est pas mal. Let's go, on a nos chances. Il est vraiment pas bien. J'avoue que perso, je suis désolée, mais perso, mon crush. Ah, vas-y, on se casse vite. Mon crush, il me passe un truc à manger et je vomis à cause de lui. Franchement, j'ai le démon. Je vois plus la même façon. Ok. Là, tu peux partir, tu peux retourner voir Rosana. Ok, let's go. Parce que là, elle est en. Là, elle. Elle pleure. Elle a envie de se foutre en l'air. Et bah, nous, du coup, on va la foutre en l'air. Nous, on va la foutre en l'air. En gros, là, ce qu'elle dit, qu'elle a un petit charme de téléphone. Elle l'a perdu dans le labyrinthe. Tu vas aller dans le labyrinthe, tu vas lui récupérer son charme de téléphone. Oui. Tu vas devenir sa copine. Tu vas lui dire, viens, suis-moi, on doit aller quelque part ensemble. Allez, suis-moi, ma copine. Tu la mets dans un sombre et tu la fumes. Pa 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 pa. Et chill, tu vois. T'es un peu trop. Non, mais tranquille, chill, moi, parce que moi, tu vois, je vis des choses à fond. Là, tu peux partir au labyrinthe. En vrai, et là, du coup, tu as trouvé le centre du labyrinthe. Autant, oh le jeu là, par cœur, autant le labyrinthe, j'ai jamais été foutu de savoir où. Bah, c'est un labyrinthe après. C'est un enfer. Oh là là. Mais tu peux trouver, je crois que. Oh, je suis perdu, je sais même plus où t'es. Encore à droite, à gauche. Si là tu le trouves comme ça, à c'est une. Droite, à droite, voilà, nickel, à droite encore. À gauche. Et il devrait être là. Au milieu. Oh voilà, là, mais hey, j'ai une mémoire de fou. J'ai une mémoire de fou, comment je m'en souviens? Mais mec, il connaît par cœur. Mais non, mais c'est grave. Bon, hop, là tu peux prendre son petit chat et tu ressors du labyrinthe. Voilà, son petit charme de chat. J'aime bien prendre en photo tout. Mais prends, faut que je fasse. Je suis vraiment genre comme dans la vraie vie. Y'a pas de problème. Là c'est bon, tu l'as. Et là du coup, tu dois retourner voir Asana pour lui filer son petit charme. Ah ouais. Bah quoi? Donc là tu lui donnes, voilà, elle est contente. Ouais. T'es sa meilleure pote, c'est bon, t'es sa copine. Ça y est. Et là tu peux lui demander une faveur. Et tu lui dis, suis-moi, follow me. Et là, tu vois, tu dis, ouais, j'aimerais bien te montrer un truc super sympa, viens avec moi. Ok, là c'est bon. Attends, ah merde, oh mais en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, t'as flingué ta putain de réputation, donc en fait, elle veut pas te suivre. Non. En fait, tout à l'heure, puisque t'as rigolé devant tout le monde, ça lui plaît pas. C'est quoi, ça y est, je m'en moque, je vais la tuer quand même. Je suis désolée, mais là. Devant tous les autres élèves. Devant tous les autres élèves. Ça y est, elle m'a saoulée, elle m'a saoulée. Ah, et qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant? Tu peux casser la gueule du coup. Voilà. Mais elle te pète le bras, elle te fout par terre. Et elle te brise le genre, voilà, elle te brise le bras. Et en fait, t'es appréhendé, tu vas. Mais je voulais la tuer. Ah, mais en fait, t'étais un peu au milieu de tout le monde quoi. Donc là, j'ai perdu le jeu. Ah, c'est que là, je suis frustrée. Là, je vais retourner et je vais retuer. En fait, faut pas que tu paraisses bizarre du coup. Mais il faut pas que tu paraisses bizarre. Tout est une question de réputation. En fait, c'est comme dans la vraie vie. Exactement. Incroyable. En vrai, le jeu, je pense que je vais y rejouer. Est-ce que vous voulez le retour sur la chaîne Chocolat Vanilla? Écoutez, c'est à vous de dire dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup, Sora. Bisous. Non, attends. Ah. Combien de pouces bleus pour revenir sur la chaîne? Combien de pouces bleus généralement? 20 000? Bah, il y en a 30, au moins 30 000. Ouais. 30 000 pouces bleus! Au moins 30 000, s'il vous plaît! Pour le retour de Sora sur la chaîne, allez, ça y est, bye! Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous!